Wow, regardez tous ces bonbons! Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Re-bienvenue sur Carless Cooking. Je veux commencer cette vidéo en vous souhaitant un merveilleux début d'année 2021. J'espère que ce sera rempli avec du bonheur, de l'amour et de la santé parce que selon moi, ce sont les choses qui sont les plus importantes. Alors, c'est ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année. Durant la période des fêtes, je suis certain que comme moi, vous avez vu passer sur les réseaux sociaux les fameuses vidéos de bonbons maison qui sont faits avec des machines qui tournent dans tous les sens que l'on retrouve dans les fêtes foraines. Ça a été super populaire sur TikTok. Moi, je trouve que c'est vraiment très satisfaisant à regarder. Ça m'a beaucoup plu et ça a surtout piqué ma curiosité. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est possible de reproduire ces fameux bonbons à la maison? Les bonbons à l'ancienne que je trouve si délicieux et c'est exactement ça qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Et si ça fonctionne avec la version de base, on va même essayer d'en faire avec de la barbe à papa version bicolore. Il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo où j'ai transformé mes bonbons en nourriture d'astronaute et j'ai redécouvert ces fameux bonbons qu'on appelle les Saltwater Taffy, que j'avais découvert la première fois dans la série Sex and the City dans la saison 5, épisode 3, où Carrie se trouve à Atlantic City et elle bouffe ses fameux bonbons au bord de l'eau. Et ben c'est exactement ces bonbons qu'on va essayer de reproduire aujourd'hui et si ça fonctionne, je vais être trop content parce que j'adore ça, c'est trop bon. On va parler un petit peu de l'origine de ces bonbons avant de commencer la recette que j'ai trouvée et qui paraît quand même assez simple. En gros, ça a été créé aux États-Unis, plus précisément à Atlantic City en 1880 et c'est fabriqué en tirant et en étirant une masse de sucre bouilli avec du beurre, de l'huile, des colorants et des arômes pour en faire un bonbon qui est très aéré et ça donne un bonbon qui est très léger et très moelleux. Tu peux le faire avec un crochet, à l'aide d'une machine ou tout simplement à la main. Une fois le processus terminé, le bonbon est roulé, coupé en petits morceaux et emballé dans du papier ciré pour le garder bien moelleux. Et si on peut parler de l'origine du nom du bonbon, là, il y a plusieurs histoires qui circulent, notamment une qui raconte que l'un des assistants aurait remplacé l'eau que l'on met dans la recette des bonbons par de l'eau salée par erreur. Et il y en a même une autre qui raconte que pendant une tempête, l'eau de la mer aurait splashé sur tous les bonbons et c'est ça qui lui aurait donné son fameux nom. Bref, dans l'histoire, il n'y a absolument aucun endroit où on voit qu'il y a de l'eau salée dans les bonbons, mais ça a quand même gardé ce nom et maintenant j'arrête de parler, j'ai très hâte de commencer. Alors allez, c'est parti! Première étape, on va commencer par récupérer les ingrédients. Il faut du beurre. Il nous faut bien sûr du sucre. On va prendre du sirop de maïs qui est clair et aussi de la fécule de maïs, de l'eau et bien sûr du sel. Ça, c'est les ingrédients de base, mais pour rendre ça un peu plus festif, il va nous falloir des colorants et des arômes. Et ça, c'est pour plus tard si ça fonctionne, un peu de barbe à papa. On va aussi avoir besoin des gants pour se protéger les mains, des ciseaux pour couper les bonbons et un thermomètre pour la température parce que ça a quand même besoin d'être très précis. Maintenant que tous mes ingrédients sont bien pesés, on va pouvoir commencer. Je vous conseille que tout soit prêt quand vous allez commencer parce que ça va être très collant et on veut pas commencer à mettre les gants, à beurrer le moule une fois que le caramel est prêt. Première chose, on va commencer par mettre du beurre dans notre moule. C'est dans ça qu'on va venir verser le caramel quand il sera prêt ou la tire ou le toffee, là, comme vous voulez. Là, ça fait quand même beaucoup de beurre. Faut juste que ce soit une petite couche pour que ce soit facile à démouler. Et vous allez faire la même chose sur les lames de vos ciseaux pour pas que ça colle, que sinon ça va être une catastrophe. Ensuite, la recette, elle est vraiment très simple. Dans une casserole, on met 220 g de sirop de maïs ou 2 tiers de tasse, 220 g de sucre ou une tasse, 15 g de beurre ou une cuillère à soupe, 10 g de fécule de maïs ou une cuillère à soupe, une demi-cuillère à café de sel. Pour nos premiers bonbons, j'ai pris de l'arôme de banane parce que j'adore ça, ça sent tellement bon. Là, ça va dépendre de l'arôme que vous avez ici, c'est très concentré, faut en mettre un peu moins. Moi, c'est quand même bien concentré, donc je vais mettre une demi à une cuillère à café. Je pense que ça va être assez. Allez, on y va pour une complète. Ça sent bon! Vraiment. Je vais mettre aussi le colorant jaune pour que ce soit bien beau. Et je termine avec une demi-tasse d'eau ou 125 ml. Là, on va bien mélanger tous les ingrédients pour pas qu'il y ait de grumeaux. Et on va amener ça sur le feu. Quand le beurre est tout fondu, on va ajouter notre thermomètre à bonbons. On veut obtenir la température de 255 Fahrenheit ou 124 degrés Celsius. Ça, c'est la température pour obtenir un bonbon qui va être léger et moelleux, mais si vous aimez qu'il soit un petit peu plus dur, vous pouvez augmenter la température jusqu'à 265 Fahrenheit maximum, parce que après ça, ça va vraiment devenir trop dur et ça va être difficile de l'étirer. Et là, vous voyez, c'est important de prendre une casserole qui est quand même assez haute, parce que quand c'est en ébullition, ça gonfle
souffle beaucoup et on veut pas que ça déborde. Là, vous voyez, la préparation a bien épaissi. C'est quand même assez épais. C'est très, 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 très chaud. Faut faire vraiment attention. On veut surtout pas se brûler avec ça, je peux vous le dire. Ça sonne. On retire du feu rapidement. Et on vient le verser dans notre moule qu'on a préparé tout à l'heure pour bien le laisser refroidir. Je vais bien nettoyer ma casserole et pendant que c'est en train de refroidir, on va préparer la préparation avec la barbe à papa et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour celui-là, on va fonctionner un petit peu différemment. J'ai préparé deux moules que j'ai déjà beurrés. Dans notre casserole, on va encore mélanger le sirop de maïs, le sucre, la fécule de maïs, le sel, le beurre. C'est les mêmes quantités que bien sûr je vous ai mis dans le descriptif, mais là pour parfumer notre saltwater taffy, on va faire quelque chose d'un peu différent. On va récupérer la barbe à papa du commerce et on va faire comme on a fait sur TikTok il y a quelques semaines. On va venir faire fondre la barbe à papa dans l'eau. T'as vu comme ça se dissout super vite? J'adore faire ça. Et prise 2. J'adore ça, c'est trop bien. Donc là, notre eau est parfumée à la barbe à papa et on va venir l'ajouter à la préparation. Comme tout à l'heure, on va bien mélanger et on va l'apporter sur le feu. On va faire chauffer au maximum et on va attendre que ça atteigne la bonne température. C'est prêt! On enlève le petit thermomètre. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser la moitié de la préparation qui est déjà rose dans un des moules. Et on garde l'autre moitié dans laquelle on va venir mettre un petit peu de colorant bleu pour faire un genre de violet. On va venir le verser dans notre autre moule pour faire la deuxième couleur. Ouh, ça a l'air pas trop mal! On va laisser refroidir ça de côté et on va en profiter pour récupérer celle qu'on a laissé refroidir justement et on va commencer à l'étirer. J'ai mis les gants. Là, on va prendre un petit peu de beurre comme ça pour bien empêcher que ça colle quand on va récupérer la tire. Avec une petite spatule en métal, on devrait être capable de sortir notre bonbon. Ouh, c'est parfait. Mais c'est un bonbon XXL. Comme ça. Et là, il faut aller assez rapidement. Et c'est assez simple. Il faut seulement l'étirer pour faire incorporer de l'air à l'intérieur. C'est un peu comme du slime. Et vous allez voir que la texture et la couleur qui, en ce moment, est assez translucide, va changer. Ça va devenir opaque et brillant. Et donc là, il faut faire ça pendant environ un bon 10 minutes. Ça a l'air méga satisfaisant de manipuler. C'est trop cool. J'ai retiré les gants et je peux vous dire que je passe un moment extraordinaire à faire ces bonbons-là. Et la texture est vraiment très très proche de ce que j'avais mangé il y a quelques semaines, hein, je peux te dire. Et surtout, ça sent bon, c'est incroyable. Là, ça commence à être de plus en plus difficile de l'étirer. On voit que c'est plus résistant, donc on va être prêt à la couper. C'est un peu comme la pâte à modeler, là. Ah ouais, mais c'est génial, hein, franchement. Donc pour empêcher que ça colle, j'ai mis un grand papier sur mon plan de travail, de papier ciré. Et là, j'essaie de faire comme dans les factories et on va venir couper ça en petits morceaux avec les ciseaux qu'on a beurrés. Je vais me faire des plus petits et des plus grands morceaux de tailles différentes. Là, t'as seulement qu'à l'étirer comme ça. J'aurais jamais pensé que ce serait aussi facile à faire, hein, franchement. Par contre, là, on voit que ça commence à être un petit peu collant. Donc à ce moment-là, je pense qu'il faut rajouter du beurre sur les ciseaux. Ah oui, ça fonctionne vraiment très très bien. Je suis vraiment très curieux de voir si on va être capable de faire le truc bicolore par contre, hein? Une fois que tous vos petits morceaux sont coupés, on récupère des petits morceaux de papier carré, on le met à l'intérieur, on le roule et on vient serrer les côtés pour faire un vrai petit bonbon. Je suis mais épaté par le résultat là, je peux vous dire, je suis trop content. Est-ce que t'es prêt à faire des bonbons? Oui! On va tout récupérer la masse de sucre et là, faut se dépêcher. Est-ce que c'est trop chaud? C'est encore un peu chaud. Mais ça va. C'est trop drôle. C'est comme du slime, vraiment. Ça se colle sur mon gant. Est-ce que tu penses que t'as besoin de plus de beurre? Non, non, mais c'est bizarre, non? C'est comme la cire d'une certaine manière. Ouais, c'est vrai que c'est un peu la texture de la cire. Si ça colle un peu trop, tu peux toujours ajouter un petit peu de beurre sur tes gants. Mais avoue, c'est quand même une activité cool à faire pendant les vacances, non? C'est très drôle, mais pas juste pour les vacances, pas tout le temps. Là, l'objectif, ça va être d'essayer d'avoir deux textures qui vont être pareilles pour qu'on puisse enrouler les deux couleurs ensemble et faire notre bonbon bicolore. Regardez! C'est aussi satisfaisant que les vidéos que j'ai vues sur TikTok, hein? Si ça colle trop sur tes gants et que t'es capable de le tenir juste avec tes mains, tu peux aussi retirer les gants. Regarde, hey, j'enlève le gant comme ça. Là, on a fait deux petits boudins. On va les coller ensemble. C'est la première fois que je fais ça. Je sais pas ce que ça va donner. On va les twister un peu. Là, je vais essayer de le rouler pour que ça s'attache bien ensemble.
C'est un peu comme un serpent maintenant. Ouais. Je récupère les ciseaux qu'on a bien beurrés. Et on va faire comme tout à l'heure. Ça fait nice, non? Tu pourrais même faire deux saveurs, en fait, ensemble, non? Oh, ça, c'est une excellente idée. Tu sais ce que je me pose comme question? Je sais pas ce que ça donnerait si on les mettait dans la machine pour faire la bouffe d'astronaute, si ça donnerait le même résultat que quand on a fait ceux du commerce. Oh! Mais il faut qu'on teste ça! Ça serait une excellente idée, non? Je suis pas aussi rapide que dans les factories de bonbons, hein. Mais il y en a beaucoup, je trouve. Tu vas tout manger dans une journée, j'en suis sûr. C'est clair. J'aime trop ces bonbons. Regardez comme c'est beau. Et maintenant, il faut juste... tous les emballer. Mais tu sais quoi? On n'a plus besoin d'emballer parce que maintenant, il faut faire le taste test. C'est quoi? On va pas prendre ceux qui sont emballés, on va prendre ceux qui sont pas encore emballés. Je vais prendre le barbapapa. Et moi, je prends celui à la banane. C'est très doux. Mmh. C'est comme un caramel. C'est exactement comme les bonbons que j'ai mangés. Méga bon! C'est vraiment excellent, hein? Bobby, toi aussi, tu veux des petits bonbons sans quoi te tapis? Chaque fois pour une dégustation, il arrive. Je peux vous dire que je sais ce que je vais faire pour le reste de la journée. Je vais manger mes petits bonbons maison. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quel autre bonbon maison vous aimeriez que j'essaie de faire sur la chaîne. J'ai plein de salive, c'est vraiment trop savoureux. Et si tu vois la vidéo que j'ai faite avec Isaac, qui de nous deux? Et si tu vois la vidéo sucrée versus salée? Et si tu t'abonnes si ce n'est pas encore fait? Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, je vous souhaite de passer une magnifique journée. Vous le savez, vous êtes les meilleurs. Et surtout, encore une fois, un très bon début d'année 2021. Mmh. Trop bon! Qu'est-ce que tu fais? Mais je déguste la banane.